Dans cette nouvelle vidéo, on se pose les grandes questions suivantes. La Première Guerre mondiale, c'est quand, c'est qui, c'est où? En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Celle-ci se termine en 1918. La Première Guerre mondiale oppose deux camps. D'un côté, les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, puis un peu plus tard, l'Empire ottoman. Les empires centraux sont opposés aux puissances de l'Entente, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni et la Russie. À partir du mois de novembre 1914, les soldats s'enterrent dans des tranchées. C'est le début d'une guerre de position. Rapidement, le conflit devient mondial. Les métropoles font appel à leurs colonies. Exemple, les tirailleurs sénégalais qui viennent en aide à la France. Un des tournants de la Première Guerre mondiale est l'entrée en guerre en avril 1917 des États-Unis aux côtés des membres de l'Entente. Les Allemands sont finalement battus et signent à Retonde en France l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats, le 11 novembre 1918. La guerre a fait environ 9 millions de morts. Aussi, elle laisse 6 millions d'invalides, comme les gueules cassées. Pour l'Europe, le traumatisme de la Première Guerre mondiale est immense. Roger,